Bonjour à tous, c'est Lucas et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Dark Souls Prepare to Die Edition. Et oui, et ça fait un petit moment quand même que vous m'avez pas, vous avez peut-être remarqué que j'avais ralenti un petit peu mes vidéos pour le coup. Vous inquiétez pas, c'était tout à fait normal dans le sens où en ce moment je suis un petit peu occupé. Enfin, j'ai été occupé pendant un petit moment, et là, il y a que maintenant que véritablement, je peux rejouer tranquillement, sans aucun souci particulier. Donc là, ça fait plaisir, je vais pouvoir reprendre Dark Souls de manière assez sérieuse. Et donc, la dernière fois qu'on s'était quitté, j'avais en tête de tuer Calamite. Et ma dernière tentative était complètement pourrie. infructueuse. Donc je vais essayer. C'était par là. Il y avait des chiens loups, je sais pas quoi. Ah. Ok. Je vais essayer de. Ok. Ok. Ce fut un rude adversaire. Je vais essayer de battre Calamite, alors que ça fait un petit moment que j'ai pas joué à Dark Souls. Il va me falloir un petit moment d'adaptation, ça c'est sûr et certain. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça serait encore plus drôle que j'arrive à le battre justement, alors que ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Ouais, malheureusement j'ai dû faire d'autres choses à côté, hein, surtout au niveau du BTS, plus d'autres. Hop, 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 hop là. Donc, Vlad, Vlad. Ouais, de toute façon, ça va pas nous servir, ça au pire. Juste foudre, humidité. Mais de toute façon, ça servira pas à grand chose non plus. Donc, Calamite le dragon noir, nous voilà. Alors il y a un chemin alternatif pour y aller, mais j'ai pas envie. La dernière fois j'avais aussi sauvé Siffle Loup. Je sais pas si vous vous souvenez. Ça permettra de tout simplement me battre avec lui contre Manus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller à deux mains face à ce boss. Donc ça, petite roulade. Aïe. Ça commence très bien. Aïe 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 aïe. Ça commence très mal. Ah punaise, alors celle-là j'avais du mal à l'esquiver. Déjà, base. On se remet de la vie. Ah, je me fais toucher quand même. Notre but va être de rechercher d'abord notre flaque qui est là-bas. Pour dire de récupérer notre pouvoir perdu. Ça. Oh. Aïe, ouais, celle-là je l'ai pas vu arriver par contre. Ça je sais pas trop ce que ça fait. Aïe. Ah mince, je pensais pas qu'il m'attaquerait derrière. D'accord. Cette petite esquive. Ça.
ça. C'est bon, je suis à distance. Ah mince. Je le sais en plus. Ah non, mince. Ah, oh, je suis mort. Ah, oh, même pas. Oh, le ski. Olé. On va mettre de la mini-distance. Suivez-moi. Je ne sais pas ce que ça passe aussi mal, ça. On va se soigner. On a le temps. Si. Ah, c'est pas cool ça. Pas encore fini, j'attends juste une bonne ouverture. J'ai pris beaucoup trop cher. Faudrait que j'arrive à prendre l'humanité jumelle. Voilà pourquoi. Pas conseillé je crois de l'attaquer entre les pattes les... Je sais pas trop ce que ça fait exactement en fait. Excusez. Ah putain. Naze. Excusez-moi si je parle pas beaucoup, mais vous comprendrez sûrement que je me dois d'être concentré. Ah, je me suis fait avoir. Ouais, je me suis fait avoir. Ah, c'est un combat qui dure longtemps hein. Calamite, c'est... On me l'a vendu comme étant tout simplement le boss le plus dur du DLC. On m'a même dit que si je le battais, il n'y avait pas de raison que je ne puisse pas battre Manus. Hein. Ah, on me l'a carrément annoncé comme ça. Ce qu'il faut qu'on fasse. Clairement. Les humanités, ça rend énormément de PV. Ça servira de potion. De toute façon, les humanités, on s'en fout. Désormais, on peut les farmer avec avec le spot à humanité. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Les sortes de spectres là qu'il y a là, avant d'aller arriver à Manus, justement. Donc, si on veut des humanités, c'est pas un souci. Le problème, ça serait plutôt de réussir à battre ce boss. Vous savez, il me reste que 3 boss hein, pour finir Dark Souls finalement. Et ouais, que 3. Donc, Dark Souls est terminable, je vais pas dire facilement, mais quelqu'un qui en veut, il le finit, il peut le finir assez facilement, oui. Je dis bien évidemment quelqu'un qui en veut, quelqu'un qui s'investit dans le jeu. Je suis sûr qu'il peut le finir facilement, c'est pas un souci. J'ai pas rencontré autant de problèmes que j'en ai rencontré face à Demon Soul. Voilà. Même si Demon Soul, au final, d'une certaine mesure, il y avait un moment où je commençais à rigoler. Hein.
Il n'y a que vers la fin où je rigolais beaucoup moins. Donc on va utiliser un sort pour se soigner. Ça sera plus pratique. Et limite, le bouclier, de toute façon, il sert à rien. Hein. Moi-même, je m'en suis pas servi. Limite, est-ce que j'ai des malédictions pour mon arme? Pas du tout. J'en ai pas du tout. Il était très bien. Je n'en ai pas du tout. Ma flaque est là-bas. Ça va être mon premier objectif. Je vais quand même mis midlife, alors que j'ai repris il y a très peu de temps. Donc je suis fier de moi. C'est vraiment pas un boss facile que la mec. Très très loin de là. Très très loin de là. Et c'est un boss parfait. Dans le sens où mes futurs persos sur Dark Souls 2 sont... Ah putain, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Ah non, 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 non. Il m'a démonté. Je suis pas encore mort. Mais si je continue comme ça, ça va pas tarder. Je tente le double. Et la double potion qui... va passer ma roulade ? Là je crois que je suis mort pour la simple et bonne raison que je vais me manger là j'ai une malédiction en fait il me semble et ça va m'empêcher de ah non mais putain il a fait une roulade vers l'avant au lieu de oh, là par contre j'ai été super mauvais. Alors vous savez quoi, de toute façon, je m'étais pris la malédiction de Calamite, là, quand il a fait son truc, et ça a augmenté les dégâts que je prenais, donc j'ai envie de dire que de toute façon, j'étais quasiment mort, pour ainsi dire, donc ça sert à rien. Mais il faut que... Je vous avoue que là, j'ai même pas cherché, j'ai été super mauvais dès le départ, il valait mieux que je meure, de toute façon. À partir du moment où j'ai vu qu'il m'avait mis, j'avais même pas porté un coup, il m'avait déjà tué quasiment. J'ai fait ouais laisse tomber. Laisse tomber. Ce sera pas pour là. Ce sera pas pour cet essai là. Je cherche même pas à comprendre. C'est chiant J'ai les moyens de le tuer, hein. Franchement, je vous le dis, je me sens, je suis confiant en fait par rapport à lui, je sais que je vais le tuer, je sais que je vais y arriver. Le souci, c'est que je sais pas quand, et je vous avoue que je ne sais pas si je le ferai finalement en vidéo, puisque j'ai tendance à beaucoup me louper en vidéo. Je me trouve trop lourd surtout. J'ai beaucoup de mal à me porter en fait. On va changer les jambières je crois. Non je fais toujours des roulades. J'aimerais en fait c'est faire des roulades. Hein il fait quoi ce truc? Ah, résistance aux flammes, laisse tomber. Ah ouais, c'est pour ça. Je vois quand même pas pourquoi je l'ai mis. Parce que je croyais que face à Manus. Alors. L'anneau d'Avel. Ah, je suis toujours trop limite en fait. Je dois avoir un casque, un truc comme ça, vachement lourd. Je dois pas. Un truc que je dois pas comprendre. Il est lourd Sanctus. Non, il est pas très lourd. C'est mon armure qui pèse si lourd que ça. Ok, ça prend pas. Non, 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 ça va pas avoir.
Je sais plus comment on fait pour le poids. Est-ce que je veux dire? Poids de l'équipement, je suis à 36 sur 135. Je suis pas capable de faire un. Hop. Bah surtout que si j'équipe certains trucs. Au final, je suis beaucoup plus lourd. Ouais. J'ai presque envie de l'enlever. Vous savez quoi? Ah! Ah ouais, là, ça va beaucoup mieux. Du coup, je peux peut-être remettre ma armure. En fait, je me sens... Je trouve que je vais pas assez vite. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, là, non, ça fait pas. Ça doit clairement être mon. Ou alors les gants. Ah, c'est mes gants! 7 kilos les gants, quoi. Oh la vache. Ça va 100 fois mieux d'un coup. Je suis même sûr que limite. Limite, je peux remettre mon casque. C'est presque ça quoi. Voilà. Allez, on va aller l'affronter comme ça. De toute façon, on veut pas lui résister à Calamet. On veut juste réussir à l'esquiver. Donc je sais qu'une fois je vous ai dit j'enlèverai jamais mon matos. Là, je la joue roleplay. Bon, écoutez, j'ai tout gardé. Quasiment, hein. Ouais, mais ça va 100 fois mieux quoi. Non! Non, pas la malédiction! Ah, c'est mort. Je vais prendre beaucoup plus de dommages. Ah ouais, mais ça va 100 fois mieux pour esquiver ça quand même, regardez. Ouais, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Mince. C'est quoi cette mobilité de taré? La malédiction. Aïe. Et je prends pas tellement plus cher en fait. Aïe 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 aïe. C'était minable. J'aimerais pouvoir faire une esquive dans ma vie. C'est bon. Ça c'est une attaque une fois que vous l'avez esquivé. Pas de problème. Ah mais ça va tellement mieux jouer. Hop. Hop bah. C'est fait. Je savais juste pas que je le ferais en tout cas, je vous le dis. Je possède donc sa queue. Sanctus me soigne en plus, hein, force au fur et à mesure. Pas grand chose, hein, vous m'inquiétez pas. Ah, vous m'inquiétez pas. C'est pas vraiment question de s'inquiéter, c'est question. Ce n'est pas.
pas ce qui me sauvera si vraiment je préfère me soigner qu'aller l'attaquer. Franchement, je suis pas chaud là. Ouais, là j'ai fait le con par contre. J'ai appuyé trop de fois sur ma touche d'attaque. Je vais attendre qu'il me laisse une ouverture. Là, pour me soigner tranquillement. La connerie, ouais, j'ai fait la connerie. Je pensais qu'après il n'y avait plus rien. Là, par contre, je fais pas de conneries. J'ai choisi le bon moment. Ça, c'était l'idée. On dirait que je me soigne. Ça va tellement mieux avec de la mobilité. Je ne t'ai jamais rendu compte à quel point c'était. C'est aussi bon en fait d'avoir ça. Ah. J'ai été touché, mais il faut quand même avouer que j'étais tellement en dessous de ses pattes que si j'avais réussi, de toute façon ça m'aurait même étonné. Donc là j'ai plus beaucoup de vie, ça sert à rien de paniquer. Là je prends deux fioles d'estus. Ah, c'est pas possible ça, par contre j'ai du mal à l'esquiver alors que... Y'a rien de compliqué. Rien de compliqué, j'ai du mal à l'esquiver, je sais pas pourquoi. Non, sur le côté. Tué là. Oh, j'ai tué. Ça y est. Oh, ça y est, je l'ai tué les gens. Du deuxième, troisième coup. Anneau de calamité. Ah, on en avait parlé de cet anneau. On m'avait dit de certainement pas me fier à son nom ou quoi que ce soit. Je vais regarder ce qu'il fait après avoir ramassé le loot. Donc là, une âme de... Oh, 60 000 âmes. Oh là 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 là. Là-bas, je crois qu'il y avait quelque chose, un truc qui brille du moins. J'ai battu Calamite. Je suis super content, les gens. Et 23 minutes. Bah, c'est génial. Sincèrement, j'ai le temps d'aller faire un petit passage autre part. Grande flèche de goût. J'ai le temps de partir. Faire autre chose. Alors, vous allez voir, ouais, la souris. Je m'en doutais. C'est parce que je me remets bien dans le... Ah, je me remets bien parce que ça fait mal. Faut pas rester trop longtemps dans la même posture, les gens. Mais cette mobilité... Ah, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intéressant que jouer mobilité. Je vous avoue que moi... Je suis toujours parti du principe qu'il fallait esquiver comme un... Qu'il fallait esquiver, ouais. Mais que même une esquive... On va dire qu'une esquive, finalement, j'en avais une qui était bonne. Mais là, je me rends compte qu'au final, ça m'a tellement servi d'avoir une esquive améliorée, qu'il doit y avoir un cap, en fait, certains adversaires doivent vraiment avoir un cap où vous êtes obligé de vous servir finalement de cette mobilité. Et non pas de vous protéger. Je me demande si Manus, ça serait pas pareil. Parce que Manus, quand j'ai essayé de le faire, j'ai essayé de me protéger et tout, je me suis fait exploser, il prenait ma barre d'endurance comme un porc. Alors que là, j'ai pu me balader sur le terrain. Ouais. Du moins, ça... Ça a le mérite d'être... D'être réfléchi. Faut que j'y réfléchisse.
Je vais aller me reposer sur ma... J'allais dire sur ma tombe. Sur le feu qui est là-bas. Ressemble à ça, mon personnage. J'avais oublié ce qu'il avait en coiffure et tout, mais donc. Alors, niveau supérieur... Quand même, hein. Je vais mettre plus d'endurance. Et le reste, je vais tout simplement réparer mon équipement. Qui était, comme vous pouvez le voir, qui était vachement, vachement abîmé pour le coup. Et je vais tenter d'aller voir Manus sous cette forme, du coup. J'ai pas de raison. C'est combien là? Ça fait 26. Ah oui, ça fait 26 minutes. Ouais, c'est un peu greedy d'aller là-bas et de vouloir se faire le mec. Ah, je suis chaud là. Je me sens chaud. Ça fait longtemps en plus vous avez pas eu des vidéos de Dark Souls. Je pense que ça vous dérangerait pas de voir si oui ou non. Je gère maintenant là. Par contre, je vous avoue que là j'ai un gros doute. Où ça nous mène ça? Ça nous mène pas du tout où je veux. C'est pas possible. Ça nous mène pas du tout où je veux. Si c'est pas là. C'est sûrement... Soit là. Non, je monte aussi. Je devrais pas monter. Je devrais pas monter. Donc, ça va pas être possible. Je me souviens plus du tout. C'est marrant ça quand même. Hein. Et le pire c'est que quand je suis en bas, je le reprends et je fais... Ah mais oui! Et à chaque fois j'oublie. C'est pas par là, hein, parce que quand je revenais je le voyais. Et je faisais, ah oui, c'est par là, c'est vrai. Je revenais, je voyais d'ici. Ah, je crois que c'est là. Voilà, c'est celui-là, c'est celui-là. Par contre, je vais prendre mon bouclier pour le coup. Alors, Manu, je vais tenter de pas utiliser le bouclier du coup, parce que... On a remarqué que c'était très très arrangeant dans certaines possibilités. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'emmerder, on va dire, en essayant de rester poli. Je vais pas essayer de le bloquer en fait. C'est vrai que vu ça. Vu la stature dont qu'il est et autres, la stature qu'il a et autres, c'est logique que je devrais pas essayer de l'emmerder au corps à corps. Joli. Par là. Aïe. Qui pense que c'était un piège? Sans, j'arriverai pas à me soigner avec ce sort là-bas. D'accord. Ah
Faut que j'arrive à retrouver mon chemin. C'est peut-être effectivement là-bas. Ça m'étonnerait parce que j'allais pas combattre ça. Parce que celui-là, ça doit pas être le bon chemin. Ça doit pas être le bon chemin. Je m'en souviendrai. On est arrivé là. Il me semblait qu'il y avait moyen de descendre. Hein. Et plus facilement, plus rapidement du moins. Ah, ça c'est le souci, c'est quand vous arrêtez de jouer à un jeu pendant un petit moment. Après, quand vous reprenez... Voilà, on est arrivé là. Après, on faisait ça. Eh, c'est vrai que je suis dans la deuxième partie de la grotte, alors en fait, c'est carrément possible. Parce que bon, une fois que t'arrives là... Là, ici... C'était pour libérer Sif, je crois. Six pour libérer Sif. Je suis paumé. Ouh, ça rame méchant. J'ai tombé quoi, il y a des merdes. Non, bah s'il faut, c'est ça. Faut descendre là. D'accord. J'ai pas souvenir d'avoir affronté les âmes. Mais je pense que c'est parce que... je me croyais encore dans la partie haute. Et que là, c'est comme si on était déjà tombé et tout, donc ah, c'est possible. Hein. C'est possible. Je les aime pas trop, hein, ces trucs-là. Ça fait plutôt mal, pour ce que c'est. On va pas se mentir. I'm lost... Je suis perdu. Je suis vraiment perdu pour le coup là. Si je vais par là, ça change quoi? Wow, 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 wow. Pardon, il y a quelque chose là. Oh. Trop là-bas. Ça a l'air d'être une invitation à glisser, ça. Ouais. Et après. C'est horrible quand vous vous souvenez plus. Par là ? J'ai aucun souvenir. J'ai absolument aucun souvenir. Ah bah... C'est ça, il est là. Bon écoutez, on va s'arrêter là, je vous reprends tout de suite après, promis, tout ce que je fais c'est juste couper pour faire une nouvelle vidéo. À tout de suite.